La deuxième promotion de l'exécutive Doctorate in Business Administration vient d'être officiellement lancée par le Centre international pour le développement des compétences CIDEC. Une formation lancée par le CIDEC en partenariat avec l'Académie des sciences de management de Paris. Les initiateurs de ce projet ont au cours de cette rencontre expliqué que l'exécutive Doctorate in Business Administration se déroule sous forme de séminaires, des formations axées sur des sujets à très forts enjeux et qui permettent de répondre à des problématiques des entreprises ou institutions. Il s'agit également d'offrir aux cadres supérieurs africains l'opportunité d'acquérir une forte valeur ajoutée afin d'aller plus loin dans leur vie professionnelle. L'exécutive DBA, c'est l'Executive Doctorate of Business Administration. C'est un doctorat professionnel qui s'adresse uniquement aux cadres dirigeants et managers en activité. La formation est accessible aux cadres titulaires d'un diplôme de Bac+5 minimum et qui ont au minimum 5 ans d'expérience professionnelle à un poste de management. Alors, ce doctorat a pour particularité son ancrage au monde des affaires. Il a une orientation, la thèse a une orientation managériale. Elle est plus pragmatique. C'est des praticiens, vous voyez, qui rédigent, qui s'appuient sur leur expérience professionnelle pour rédiger une thèse. Les enseignants qui animent les séminaires font partie de ce qu'on appelle du conseil scientifique de l'ASMP, l'Académie des sciences du management de Paris. Alors, il s'agit effectivement d'avoir une promotion diverse. Et nous avons aussi bien, parmi les participants, des directeurs dans le domaine du marketing, dans le domaine financier, dans le domaine de la production, dans des secteurs différents, que ce soit l'assurance, que ce soit la commercialisation, que ce soit le transport ou l'industrie. Et donc ces différences se font que les sujets sur lesquels ils travaillent sont des sujets différents. Mais c'est la même démarche, c'est toujours cette démarche de recherche et il y a en même temps, à travers la diversité des participants, un véritable enrichissement. Chacun, au fond, l'objectif c'est de former une vraie école doctorale. Une école doctorale où chacun des doctorants contribue à la réussite de la recherche de l'autre. Où il y a de vrais échanges autour des projets. On ne fait jamais sa thèse tout seul. Sa thèse, ce n'est pas simplement une aventure entre le doctorant et son directeur de thèse. Une thèse, c'est une aventure collective. Selon la convention signée entre le CIDEC et l'Académie des sciences de management de Paris, une fois la rédaction de la thèse terminée à Abidjan, le doctorant se rend à Paris pour la soutenance devant un jury.